Ce gala est un événement très spécial pour les 31 représentants de divers secteurs du Grand Montréal. Elles vont se disputer l'honneur de représenter la ville de Montréal au pageant Miss Canada 90 qui aura lieu au début de novembre à Toronto. Les règlements du concours, alors la candidate doit être de nationalité canadienne de naissance ou par nationalisation et doit demeurer dans le territoire de la région de Montréal. La candidate doit avoir atteint l'âge de 18 ans dès le 1er octobre 1989 et ne doit pas avoir atteint 25 ans le 1er août 1989. La candidate ne doit pas avoir franchi aucune étape de mariage, quel que ce soit, et n'avoir plus d'enfants. Les jeunes filles ont été coiffées par l'équipe du salon Alexandra, situé au 3,55 $ au centre d'achat place Nouvelle-Ville-la-Salle. Les candidates ont été choisies par des préliminaires qui ont eu lieu à l'Action Disco Club. Et dans tous les concours, le verdict repose dans les mains de personnes dont le travail n'est pas facile, les membres du jury. Et ce soir, notre jury est prestigieux.
soirée. Elles sont habillées par Viviane de Brasseur, du 1153 chemin Chambly, en gueule. Mais auparavant... Ok, on n'est pas encore à nous dire si la liste, mais on fait que c'est qui c'est là qui n'avait pas d'affaire. Ruth Martin, designer. Professeur de haute couture depuis 10 ans, propriétaire de l'atelier de haute couture Jérômien, Saint-Jérôme. Elle nous présente ce soir un extrait de sa collection Tempête de sable. Et demain, la collection sera présentée à Télévision 4 saisons dans le cadre de l'émission Garden Party. Elle sera également présentée le 14 juin à Saint-Jérôme dans les Laurentides et à Montréal, au Reine-Élisabeth, au Grand Couturier canadien. Donc, ce soir, vous voyez la collection Tempête de sable en primeur. Daniel Morissette Designer a ne pas confondre avec Linda. Dans le métier depuis 2 ans, sa dernière apparition fut au Salon National, représentant une robe de mariée en cuir. Nous verrons un tableau de sa collection intitulé Symphonie en satin majeur. Thank you.
La ligne Charlie-Sun remporte chez Bikini Village, San Francisco et d'autres bons détaillants. Une collection Charlie-Sun. Thank you.
Liliane de Brasseur, location et vente, les créations. Liliane de Brasseur, 1153 chemin Chandy, à l'occasion. Et maintenant, un grand moment lors d'un gala semblable, la fourrure. Et qui dit fourrure, dit c'est de revendiquer. Daniel Morissette, designer. Sans oublier, c'est de Repentigny. Et nous voilà donc, il y a
et me suivra. Mademoiselle Gala, Mademoiselle Participation, Mademoiselle Métier et Mademoiselle Photogénique. Les candidats ont accumulé. En les voici devant nos 31 candidats.
toutes les jeunes filles ont préparé un exposé de leur choix. Et la compétition est basée sur le sujet. 10 points. L'interprétation. 30 points. Et la première à nous présenter l'exposé, voici Chantal Renaud. Avec admiration, l'innocence.
reconnaissance et la joie de vivre d'un enfant. Par contre, chaque jour, aux quatre coins du monde, il y a des milliers d'enfants qui souffrent et meurent. Il y en a qui sont battus ou victimes d'abus sexuels, tandis que d'autres souffrent de malnutrition ou de maladies incurables. Étant donné leur jeune âge, ils sont vulnérables et incapables de combattre seuls. Ils ont besoin de notre aide afin d'améliorer leur qualité de vie. En les aidant, nous en sortirons tous vainqueurs, car les enfants d'aujourd'hui sont notre seul espoir pour demain. Children are our only hope for the future, for without them, humanity cannot survive. Yet, thousands of children all around the world suffer from starvation, deviated education, and incurable diseases. Why them? They do not understand why life is so cruel to them. I think it is our duty to provide them with sufficient food and shelter, proper education, and adequate health services to assure their evolution and therefore the evolution of mankind. Thank you. Écoutons maintenant Mademoiselle Danielle Lavoie. Bonsoir. La détermination est une grande qualité. L'utilité à bonne escient, elle permet d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, de viser plus haut, d'aller plus loin. Les gens qui ont marqué notre histoire, les gens comme Winston Churchill, ou dans l'art plus moderne, Mme Félix Lambert, avaient tous un point en commun. Un immense désir de réussir et ils n'ont reculé devant rien pour atteindre leur but. Nous avons tous en nous une grande force intérieure, une source inépuisable d'énergie. Et si on y ajoute un petit peu de bonne volonté, le produit qui en résulte est un caractère fonceur et aucun obstacle, si imposant soit-il, ne parviendra à le décourager. Mais la détermination, comme toute qualité, a ses dangers. Elle peut mener à des excès, et ces excès peuvent faire que le désir de réussir devienne vraiment une obsession. À ce moment-là, l'âme devient destructrice, et on écrase, on démolit des obstacles plutôt que de les contourner. La clé du succès est donc l'équilibre. Ainsi, on évite cette énergie négative qui pousse à la destruction. Mais il ne faut jamais non plus oublier les valeurs qui sont premières à nos yeux. Des valeurs comme l'amour, le respect ou la justice. Avec une grande détermination, on réalise que le sommet est accessible. Mais encore plus important, c'est qu'une fois rendu au sommet, on ne se retrouve pas seul. On se retrouve entouré des gens qui nous aiment, des gens qui nous ont suivis tout au long du chemin, des gens qui partagent avec nous notre succès. C'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, qu'on est vraiment gagnant. Merci. Mademoiselle Chantal Lalande. Bonsoir. Ce dont je vais vous parler ce soir, c'est à la fois votre passé, votre présent et votre futur. C'est un ensemble de générosité, de volonté et de franchise. C'est la joie de vie, le jeu, le plaisir. Et aussi le sommeil, c'est le bonheur et le malheur. C'est une partie intégrante de chacun de nous. Chacun y est marqué, présentement, et en restera probablement marqué très longtemps. C'est la fin de notre vie où on n'a plus besoin d'amour, d'affection, de câlins, de la répétition. Plusieurs d'entre vous ont sûrement deviné de quoi je veux parler, car seul l'enfant peut représenter l'image dont je vous ai peint avec les couleurs de mon histoire. Merci. Chantal. Écoutons maintenant la voix de l'ami Juno. Témoin d'une conviction.
en faire partie, parce que chacune d'entre nous a ses rêves, ses désirs, ses aspirations, ses attitudes positives et constructives. Et certainement, un des buts de cet événement est de rassembler des gens afin d'établir des liens de coopération et certainement aussi de cultiver cette fraternisation. Dans le monde d'aujourd'hui, les peuples se rassemblent pour établir des liens de coopération afin d'assister et d'assurer un minimum de bien-être aux citoyens de la Terre. Et depuis toujours, les guerres, les luttes, les sentiments vengeants sont attribués à des différences culturelles. Au lieu de se renfermer sur soi, je crois qu'il est temps ou jamais de s'ouvrir aux autres et de contribuer à l'épanouissement des individus. Cependant, j'ai réussi à percer le cœur de certains membres.
jugement. Ils sont devenus pour moi une source d'alimentation. Ils m'ont donné de la maturité et de l'inspiration pour pouvoir foncer. Ils sont des modèles. Et ils ont été maladroits, ils ont été plaignants, mais jamais je n'ai arrêté de les aimer. Et juste avant la fin de mon travail, après 3 ans, un vieillard est venu me voir, m'a donné un petit cadeau, qui m'a dit « c'est parce que tu étais ici présent, je t'ai donné un peu de toi ». Il m'a dit les mots suivants que j'aimerais partager avec vous, j'aimerais les citer. Il était anglophone, vous vous êtes allé, je le cite en anglais. « Dear, as you know, I'm 110 years old. And if I had to live my life all over again, all the good things and all the bad things, I would do everything exactly the same way. But I would take everything half the same way. Écoutons maintenant mademoiselle Nadia Marchetel. Good evening. There are so many subjects that I could have chosen to talk to you about tonight, but one I really believe in is respect. For me, respect is very important to have a good relation between each other. Each individual has his own way of thinking, his own perception and understanding. That's why we're different from each other. Money seems to be a high standard in a society. Some people have more money than others, but it doesn't mean that because you don't have that much money that you can be respected. Personally, I consider each person very important, no matter what age they have, what color or category they belong to. To be able to respect other people, you have to respect yourself first. Quoi de plus important que le respect? Respecter une personne, c'est un peu la plus belle qu'elle est. On remarque qu'il est plus facile d'accepter une personne qui a une belle apparence, qui est bien vêtue et qui a une belle position dans la société, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas que les personnes qui n'ont pas tous les avantages ont elles aussi le droit au respect. Personnellement, je considère toutes les personnes aussi importantes les unes que les autres, peu importe leur couleur, leur apparence, car après tout, on doit bien qualifier ce système. J'aimerais vous dire en terminant qu'il est très très important pour être capable d'accepter et de respecter quelqu'un d'autre, on doit d'abord s'accepter et se respecter soi-même. Merci beaucoup. Et voilà, c'était les 10 finalistes qui vont nous revenir cette fois pour la compétition. Les créations Charlie et Sonic ont créé pour Mademoiselle Montréal en 1989. Les maillots que nos finalistes vont vous présenter. Et c'est parti de la compétition compte pour 5 points qui sont alloués pour la démarche. Mademoiselle Chantal Loretto.
ses loisirs sont le piano et la lecture. Ses sports, le ski alpin, patinage artistique et natation. Ses ambitions futures, devenir comptable agréé en fiscalité. Ses loisirs sont le dessin de la musique, ses sports, le volleyball, la
donc finaliste. Voici Chantal Renaud. Et voici maintenant Daniel Lavoie.
générations futures, elle prévoit devenir avocat en droit du travail ou en droit commercial. Âgée de 18 ans, mesure 6 pieds, son poids de 138 kg.
cheveux sur Chantal, ses yeux verts. Elle est étudiante en communication et marketing. Ses loisirs sont le dessin de mode et la musique. Ses sports sont le volleyball, la natation et le tennis. Et la compétition
question compte pour 40 points. Et on va débuter avec le chanteur Renaud. Je vais l'imiter vers prendre une angle là. Enveloppe choisie au hasard qui contient cette question. Chantal, quelle est votre définition du succès? Le succès, c'est réussir dans la vie, c'est certain, mais c'est avant tout faire ce qu'on aime. Très important. Et puis c'est d'être avec des gens, c'est toujours être entouré, d'être aimé. Toujours très, très bien entouré. Chantal Renaud. Voici Dimitri Zaguri. Quelle importance accordez-vous au bilinguisme au Québec? Je trouve ça important d'être bilingue. Ce n'est pas important où on se trouve. Au Québec, je dirais que ce n'est pas très important parce qu'on est dans une province française et je trouve que le français doit parler avant n'importe quelle langue. Les gens qui parlent anglais, super, vous allez mieux vous entendre en Ontario. Mais à Québec, je trouve que le français ça sera une première place et l'anglais, si vous parlez, tant mieux. Merci. Et on continue maintenant avec Annie Le Roy. Dites-nous, Annie, de quelle manière pourrait-on mieux venir en aide aux femmes battues? Je crois qu'aujourd'hui, une bonne manière pour venir en aide aux femmes battues, il y en a déjà, et c'est des organisations qui regroupent les femmes en question et qui essaient de leur faire voir le bon côté de la vie et de leur montrer qu'ils ne sont pas obligés de vivre ainsi et qu'il y a plusieurs autres façons de vivre. Et je crois que c'est le meilleur moyen de les rejoindre, c'est les organisations qui existent déjà. Allez, bon. Quelle importance accordez-vous aux études universitaires? Je crois que c'est une question qui est personnelle pour moi. J'y accorde énormément d'importance parce que je vais à l'université. Mais par contre, je trouve que ce n'est peut-être pas un domaine qui est nécessaire pour tout le monde à faire une réussite dans la vie. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme universitaire pour être quelque chose. J'ai toujours eu l'impression qu'il n'y a pas de sous-métier. Par contre, moi, la profession que je veux exercer exige de moi des études universitaires, alors j'y vais. Mais je pense qu'on devrait voir comme un atout, un compliment, finalement, pour développer notre culture davantage, essayer d'avoir une vision plus élargie sur la vie, mais je pense pas que c'est un prérequis à la vie. I think university studies are important, but it is not necessary for everybody. I personally attend university because the career I want to work in needs university studies. I think success is able to be reached without university. But for people who want to go, education is always welcome. Thank you. Merci. Chantal Thibault. Et on continue maintenant avec Daniel Lavoie. Si vous avez le choix de visiter un pays, lequel choisiriez-vous
et pourquoi? Sans hésitation, je visiterai la France. Étant la racine même de mes origines, j'irai visiter là-bas pour apprendre un peu plus sur la culture, sur ce qui m'a formée en fait comme Québécoise, confrontée aux Anglais aussi qui étaient ici, sans vouloir être trop négative avec les Anglais. Mais je pense que vraiment, de ce côté-là, voir où est-ce que ma nationalité a commencé à aller à la racine même de mon origine à moi. Que pensez-vous de la vente de drogue dans les écoles primaires? Moi, je suis tout à fait contre la drogue dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, dans les cégeps, dans les universités. Enfin, je suis contre la drogue pour toute personne. Parce que malheureusement, je pense que, on parle de personnalité, mais aussi de la personne en elle-même, c'est important si elle est capable d'être elle-même sans drogue. On n'a pas besoin de drogue, je pense, pour parler avec les gens, prendre du plaisir avec les gens, pour vivre, on n'a pas besoin de drogue. Moi, si c'était juste de moi, il n'y en existerait aucune drogue. Que pensez-vous de l'éducation sexuelle dans les écoles primaires? Eh bien, pour ce qui est des relations sexuelles, de tout le sexe primaire, je trouve que c'est un peu trop jeune, parce qu'on incite les jeunes à, bon, c'est bien beau, tout ça, l'amour, le respect, mais on devrait plutôt se restreindre à les écoles secondaires et non primaires, parce que la vie a beaucoup de potentiel et on ne devrait pas la gaspiller simplement à une question d'éducation seulement pour ça. Il y a tellement d'autres choses qu'on peut apprendre et puis c'est bon aussi de connaître notre corps humain, de savoir ce qu'on peut faire et puis il y a tellement de choses qui est important, c'est-à-dire d'apprendre d'autres cultures et on devrait aussi, c'est-à-dire pour les écoles secondaires, d'apprendre plutôt les valeurs sur l'éducation sexuelle. Merci. Allez, Juno! Et voici maintenant Edith Portman. Si vous gagniez 100 000 dollars demain matin, que feriez-vous avec? Ça serait ma contribution là, pour... Je ne voudrais pas garder le prix pour moi.
organismes. Certains que je m'en garderai une petite partie, comme tout le monde fait. C'est ça. Et voici maintenant Marie-Claude Dupré. Si vous deveniez Miss Canada, quel message donneriez-vous aux jeunes filles du Canada? Je pense que vous pourrez en juger par la suite.
notre co-animatrice, mademoiselle Joanne Proulx. Gracias.
continuer ses fonctions pour quelque raison que ce soit, par maladie ou elle refuse tout simplement d'aller au Miss Canada, ce serait donc la doctrine qui l'a...